Hi babies, welcome back to your home parce que vous êtes ici chez vous. J'espère que vous allez bien mes amours. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, vous avez déjà vu, donc je me suis spoilée toute seule. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo perruque, une vidéo cheveux. On va parler conseils, on va parler cheveux, on va parler perruque. Je vais installer cette magnifique perruque avec vous. Vous allez voir à quel point c'est super facile et rapide de la mettre. Mais avant ça, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager cette vidéo, d'accord? Donnez-moi de la force. Sans oublier, les gars, petit rappel, je fais actuellement un concours sur Instagram. Je vous mets mon Insta juste là. Je vous mets la photo du concours également. Allez participer au concours. Il y a plusieurs lots à gagner. Donc, c'est le moment de tenter votre chance. Et en plus, le concours est international. Donc, tout le monde peut y participer. Je ne vais pas beaucoup parler. On va directement passer à la vidéo cheveux. Franchement, je suis trop satisfaite de cette perruque. J'aime beaucoup. C'est une très belle découverte parce que j'avais jamais essayé des perruques de ce genre avant. Mais je ne vais pas trop en dire. Je vais vous laisser avec la vidéo. Du coup, on va commencer. Comme vous pouvez le voir, c'est différent de l'introduction parce qu'en dessous de la perruque, il y a mes cheveux naturels. J'avais mes nattes tout à l'heure. J'ai juste enlevé mes nattes et j'ai peigné mes cheveux. Il n'y a pas de brushing, pas de lissage, rien du tout. Avant de vous montrer la perruque que j'ai reçue, même si vous l'avez déjà vue dans l'intro, je vais vous donner quelques petits conseils. Parce que je reçois souvent des questions sur « Oui, Kéline, quelle perruque tu conseilles pour les débutantes ? Quelle perruque peut aller le mieux ? Laquelle est plus facile à placer ?» Vous avez déjà vu que la perruque que je portais tout à l'heure, c'est juste une wig genre bandeau. Je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais de toute façon, je vais vous la mettre juste là. Celle que j'ai reçue me vient de chez Reshine Hair. Ça fait vraiment pas mal de mois maintenant que je collabore avec eux. Leurs perruques sont de super bonne qualité. Et j'ai voulu tester cette perruque bandeau pour vous dire réellement si elle est pratique ou pas. Alors, les filles qui mettent des perruques pour la première fois ou les filles qui sont pas très douées avec le fait de coller des perruques, placer des perruques toutes seules, parce que c'est vrai que ça peut paraître ne pas être évident. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais je sais que c'est pas évident pour certaines filles. Même moi au début, je galérais. Genre vraiment, je galérais. Pour vous dire, la première fois que j'ai collé ma perruque, s'il vous plaît, c'est une honte. J'ai collé ma perruque avec une colle à faucille. Ne vous moquez pas de moi, s'il vous plaît. J'étais jeune, d'accord? J'étais jeune. Mais si vous êtes vraiment pas doué dans le fait de coller des perruques, faites comme moi. Enfin, faites comme moi. Moi, je ne l'ai pas commandé. C'est un partenariat. Mais utilisez, les gars, utilisez des perruques bandeaux. Je n'ai pas encore essayé, ok? On va voir ce que ça donne. Donc, comme je vous disais, la perruque que j'ai reçue vient de chez Reshine Hair. Vous savez déjà comment ça se présente quand je reçois une perruque avec eux. Ils m'ont envoyé ça, un serre-tête. Je vais bien vous le montrer tout à l'heure. Il y a le serre-tête, il y a la perruque, donc je vais vous la montrer tout de suite. C'est une Water Wave de 24 pouces, densité 180. Donc la perruque se présente comme ceci, c'est une perruque normale, une Water Wave. J'ai déjà reçu une Water Wave de chez eux, sauf que c'est une glueless, donc une perruque que t'as pas besoin de coller. Sauf que celle-ci, c'est différent parce que c'est une perruque bandeau. Donc vous voyez que là, il y a le bandeau et juste derrière, vous avez la perruque. À l'intérieur, il y a des barrettes, comme d'habitude, pour pas que la perruque, elle tombe. Et le bandeau derrière, il s'attache avec des scratchs. Genre vraiment les gars, il n'y a rien de plus facile. Tu places la perruque sur ta tête, tu mets les scratchs et c'est fini. Genre vraiment si t'as un rendez-vous, t'es pressé, tu dois aller en cours. Parce que moi j'ai souvent la flemme de coller mes perruques parfois pour les cours. Avec une perruque comme ça, mais comment tu veux ne pas être à l'heure? Genre vraiment les gens qui sont en retard comme moi là, comment vous voulez ne pas être à l'heure? C'est trop facile. Et c'est une water wave, ça veut dire que tu mets de l'eau sur les cheveux là. Tu mets un petit spray d'eau et c'est fini. Là, ce que je vais faire, les gars, bon, déjà, j'ai même pas fini de vous montrer ce qu'il y avait dans la boîte encore. Je vais finir d'abord de vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. Il y a aussi un bonnet, mais là, il n'y a pas besoin de bonnet, en fait. À moins que vous ne vouliez pas qu'on voit vos cheveux devant, vous pouvez mettre le bonnet pour mettre la perruque. Mais pour moi, enfin, le bonnet, j'utilise jamais. Et il y a des petits fossiles. Après, vous avez la carte et tout par rapport aux informations, des mèches, tout ça, tout ça. Bref, ils m'ont aussi mis un bonnet en satin, attendez, je vous montre. Ils m'ont aussi rajouté ce petit bonnet en satin. C'est super important de dormir avec un bonnet en satin, les filles, que vous ayez les cheveux crépus ou non. Le bonnet en satin vous permet de protéger vos cheveux pendant votre sommeil pour pas qu'il y ait des frottements entre vos cheveux et le coussin. Bref, j'ai beaucoup parlé. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais plaquer mes cheveux en arrière, d'accord? Parce que si je veux mettre la perruque, j'ai la flemme de faire des tresses là tout de suite. Et je veux qu'on voit mes cheveux. Genre devant, je vais faire des petites baby hair. Donc je vais plaquer mes cheveux en arrière avec mon gel Eco Styler et avec un peu de Got To Be. Got To Be juste là. Et je vous montre la suite.
Voilà, du coup là, je viens de finir de mettre mes cheveux en arrière. Je les ai plaqués entre guillemets pour vous voyez les petits trucs juste là, là. Mais le but, c'est pas vraiment qu'ils soient plaqués. On veut pas un plaquage parfait. On veut juste avoir des cheveux plats en dessous de notre perruque. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais venir placer la perruque. Mais je vais bien venir faire attention à bien mettre les barrettes de chaque côté. J'ai enlevé le scratch pour que la perruque, elle soit ouverte. Je vais venir placer les barrettes et on va poser la perruque tout simplement. Franchement, je vous dis la vérité, les filles, il n'y a rien de plus simple que de poser ce genre de perruque. Il y a les glueless, oui. Les glueless, c'est les perruques que tu as pas mal collées là. Mais celle-là, je trouve que c'est encore plus simple. Genre, à part le fait que tu dois bien arranger tes cheveux en dessous. Après, même quand tu portes une glueless, oui, tu dois quand même avoir des nattes, c'est pareil. Mais là, c'est trop facile. Bref, je parle beaucoup trop. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre la barrette. Sauf que la barrette, je vais pas la mettre tout devant. Je vais la mettre genre là parce que j'ai envie quand même qu'on voit un peu de cheveux pour que je puisse faire des petites baby hair. Je vais pas laisser mes cheveux comme ça. Donc je vais essayer d'ajuster pour voir. Donc en soi, si j'ajuste, le bandeau il va être là. Genre si le bandeau il est comme ça, c'est parfait. Donc je vais venir mettre la barrette juste là. Hop, le bandeau il arrive où? Le bandeau il arrive là. Ouais c'est bon. Je vais venir mettre les autres barrettes. Hop. On va mettre l'autre aussi. Oh mon dieu, hey, c'est même pas le résultat final, mais j'aime trop. Vous voyez, comme ça. Le bandeau, je vais venir le prendre de chaque côté. Comme ça. Et je vais venir mettre le scratch juste derrière. Oup. Voilà. La perruque, elle est à la taille parfaite. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Franchement, il n'y a rien de plus simple. C'est déjà fini. Genre, j'ai déjà posé la perruque, c'est fini. La perruque, elle risque pas de bouger. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a les barrettes. Et je fais même pas semblant de tirer. Hein. Je tire pour de vrai. Hein. Ça bouge pas, les gars. C'est fini. C'est fini. Mais vu que moi, je veux vraiment que la perruque, elle slay. Genre vraiment que la perruque, elle slay. Je vais venir rajouter mes baby hair en sortant mes cheveux. Je vais sortir les cheveux. Je vais bien plaquer les baby hair. Et vous allez voir que c'est pas du jeu, en fait. Regardez, rien que comme ça. La perruque, elle envoie. Genre, elle est trop belle. Et là, en vrai de vrai, vous pouvez rester soit avec le bandeau noir qui est là, ou soit vous prenez un petit foulard à vous et vous venez mettre votre foulard par-dessus. Genre, vraiment, il n'y a rien de plus simple. Ou encore, vous pouvez rajouter le serre-tête qu'ils m'ont donné. Moi, le serre-tête, je vais pas le mettre parce que j'aime bien comme ça. Genre, la plupart du temps, en plus, quand je porte une perruque et que j'ai la flemme de la coller, je rajoute un bandeau noir. Donc, avec le bandeau noir, ça me convient parfaitement. Je vais juste faire mes petites baby hair et on va voir le résultat final. Et voilà, j'ai fait mes petites baby hair. J'ai fini de placer ma perruque. Vous-même, vous avez vu, j'ai même pas besoin de parler. La perruque, elle est super, super, super rapide à installer. Juste la partie où je m'attache les cheveux, je galère un peu parce que moi, mes cheveux laissent tomber. Mais sinon, les filles, vous avez vu, c'est incroyable. C'est la première fois que je teste ce genre de perruque. Et franchement, 10 sur 10, on va pas se mentir. Vous voyez vous-même la qualité des mèches. J'aurais pu rajouter de l'eau dans les mèches, mais j'aime bien. Genre là, la souplesse et tout, comment c'est, j'aime beaucoup. J'aime quand c'est volumineux, j'ai pas envie que ça s'aplatisse, donc je vais laisser ça comme ça. Mais vous avez vu, la vidéo est déjà terminée. J'ai fini de poser ma perruque. Dites-moi ce que vous en pensez, donnez-moi une petite note sur 10. Voilà, voilà, franchement, j'ai pas besoin de beaucoup trop parler encore. La vidéo est terminée. Le lien de la perruque sera en description. Vous allez avoir toutes les informations pour pouvoir commander. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez kiffé la perruque. Je vous fais de gros bisous et on se dit bientôt. Et on se dit bientôt pour une nouvelle vidéo perruque.